Chers amis, bonsoir, bonsoir, merci de nous être fidèles. Bienvenue sur le plateau d'Expression Livre. Notre invité de ce soir, Mohamed Aouli. Bonsoir Mohamed Aouli. Bonsoir monsieur. Bien. Déjà bien habitué au plateau d'Expression Livre. Et je ne cesse de vous remercier pour votre invitation. C'est moi. Et pour la gentillesse et l'accueil que vous m'avez réservé. C'est tout à fait normal. Alors, Mohamed Aouli, vous en êtes à votre 9e ouvrage, c'est cela ? Oui, prolifique. Prolifique, c'est bien, pratiquement un roman par an. L'inspiration vient avec l'âge. Ah bon, l'inspiration avec l'âge, d'accord. Donc les jeunes n'ont pas d'inspiration. Ou peut-être sont-ils occupés à d'autres tâches. Alors, votre roman s'intitule « Ali Bourron », il est paru aux éditions Edilivre. Alors, d'entrée de jeu, Ali Bourron, c'est un prénom, un surnom, hein, qui a toute une histoire. Ah, bien sûr, c'est je vous invite à nous la raconter. Ali Bourron, en réalité, c'est le nom d'un âne. Mais là, on parle d'un mulet. Oui. Donc, il lui a attribué, comme nous, le prénom de son aïeul, du côté paternel, bien sûr. Oui. Mais il a une histoire. Ce nom de Ali Bourron a une histoire, parce que déjà, ce nom, bah, c'est l'âne de Buridon. Hein, oui. Il a déjà une histoire dans une fable de La Fontaine. Bien sûr. Hein, effectivement, il s'est mis à parler à son maître Ahmar. Oui. Et quand on lui a demandé, quand Ahmar lui a demandé, parce qu'on viendra par la suite, lui a demandé comment, ce que tu t'appelles, et il lui a dit Ali Bourron, on va parler d'ailleurs par la suite, il va même blesser Ahmar en disant qu'Ali Bourron, c'est comme Mohand. Oui. C'est un prénom usuel chez les équidés. Alors, tout votre roman est basé sur, en même temps, une sorte de fable, comme les fables de La Fontaine, hein, comme Ésope, c'est-à-dire vous faites parler un animal, hein, mais cet animal va donner des leçons de philosophie à son maître, à Ahmar, mais il n'y a que lui qui l'entend. Il n'y a que lui qui l'entend, justement, c'est ça, parce que… C'est toute l'histoire. Ahmar croyait que tout le monde entendait. Pas du tout. Pas du tout, d'ailleurs. En fait, il ne lui parle pas, c'est par télépathie. Quand il est surpris en train de parler à son mulet, un bonhomme lui demande à qui vous parlez. Il lui dit « Pourquoi tu ne l'entends pas ?» Je suis en train de crier, d'engueuler cet animal qui ne veut pas reconnaître tout le bienfait que je lui ai fait. Mais il ne savait pas Ahmar ne savait pas qu'il était le seul à l'entendre. Et par la suite, Ali Bourron va remettre en cause toutes ces idées reçues, toutes ces... Vous savez que votre roman me rappelait une blague, que je trouve à peu près dans le même ton. C'est un jour un chevalier, il est sur son équidé, etc. Et puis il croise dans la forêt un chien. Et puis d'un coup le chien lui dit « Bonjour chevalier, comment vas-tu ? » Et le chevalier, regarde, effrayé, il commence à faire courir son cheval en lui disant « C'est pas croyable, c'est pas croyable, hein, c'est quelque chose d'inouï, je viens d'assister à une scène absolument inimaginable, inimaginable. » Et à ce moment-là, le cheval se retourne vers le chevalier et lui dit « Tu te rends compte, un chien qui parle ?» je ne sais pas si on peut dire qu'Ali Bourron a la langue dans la poche. Alors, il n'a pas la langue dans la poche. Mais après, il commence un discours. Il va démontrer à son maître que toutes ses prétentions humaines, quand on parle d'humanité, il va lui démontrer que l'animalité a beaucoup plus de vertus que cette pseudo-humanité. Ne serait-ce que par l'exploitation éhontée des animaux
Et des femmes. Oui. Il dit, regardez comment vous, vous nous traitez. Voilà. Dès le départ, il lui dit, il y a un truc que j'arrive même pas à comprendre, hein, c'est pourquoi avant même de nous charger, de nous mettre le bas, ou tout simplement de nous chevaucher, pourquoi dès le départ, vous commencez à nous insulter et surtout à nous piquer avec un bâton pointu. Parce qu'il mettait un clou au bout. Un clou en plus. Il dit, avant de dire R, parce que c'est comme ça qu'on dit R, pour avancer, vous nous frappez. Pourquoi ? Donne-moi l'explication. Et puis, le plus grave, parce qu'à un moment donné, il lui a dit, tu es presque un humain. Il dit, je ne voudrais jamais être humain. Parce qu'il va lui démontrer, il lui dit, est-ce qu'un jour vous avez rencontré un charnier qui a été causé par un animal. Oui. Et tout au long de il va faire douter le pauvre Amar, parce que les arguments d'Ali Boron sont incontestables. C'est un mulet philosophe. Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas s'il est philosophe, mais il va démontrer toute l'absurdité de l'action humaine. Voilà. D'abord, il va dire, pour vous, le Kabyle, pourquoi vous construisez en hauteur? Vous n'avez pas de charrette? Oui. Vous aurez transporté beaucoup plus et tout le monde beaucoup plus rapidement, sans vous fatiguer. Voilà. Sans nous fatiguer. Et tout au long de ce qui va être aussi le messager du bonheur de ce... Oui. Vous savez, on viendra par la suite peut-être, le messager du bonheur de... Mais tout au long de la discussion avec son maître, parce que la prétention de l'être humain, il va détruire tous ses arguments. Oui. Il va lui dire... vous les humains, vous êtes vaniteux, vous n'arrêtez pas de vous faire la guerre, vous mentez, vous nous considérez comme des animaux, mais franchement, vous êtes encore pire que nous. Ouais. Hein. Et ça, il parle d'Amar, c'est-à-dire qui est humain, qui est vertueux. Oui, ne parlons pas des autres. Qui est un homme bon. Hein. Amar est un homme bon qui comprend très vite ce que... Parce qu'il va y avoir tout le long de votre roman des discussions, je dirais presque en aparté, entre... pardon... Ali Boron, son mulet, et lui, sur différents sujets, sur beaucoup de thèmes, hein, sur aussi bien le comportement humain que, comment on appelle ça, la vanité humaine, que le rapport dans une société moyenâgeuse de l'époque, pourquoi vous traitez vos femmes comme ça? Pourquoi, oui. Oui, on ne comprend pas. Oui. Il dit, mais j'arrive pas à comprendre ça. Il dit, nous, entre animaux, on ne se bat pas pour rien. Il dit, non, bien sûr, les animaux ne se battent pas entre eux. D'abord, un jour, il dit, je ne comprends pas, il trouve des chasseurs qui ont tué des sangliers. Oui. Et ils sont en liesse, ils jubilent, et puis ils les laissent là-bas. Il dit, alors pourquoi? Alors, ils ne comprennent pas où... Où est la rigolade? Oui, c'est ça, il ne comprend pas. Il ne comprend pas, il ne comprend pas. Puis d'ailleurs, à un moment donné, il dit, vous allez finir par vous autodétruire. Malheureusement, je ne serai pas là. Et puis, lui reproche surtout, il a dit, parce qu'il l'a appelé seigneur et maître. Il dit, non, je ne suis pas seigneur. Moi, je ne suis que ton maître, le seigneur Dieu et tout ça. Et à un moment donné, quand il lui a parlé même du paradis, il lui dit, vous êtes des bêtes, vous avez le droit d'aller au paradis comme tous les innocents, comme tous ceux qui ont fait du bien sur terre. Il a dit, est-ce qu'il y a des Kabyles là-bas et des musulmans? Alors, comme quelqu'un, des gens du village entendent Amar en train de parler à son mulet, tout d'un coup, la rumeur court dans le village. Il est fou, c'est un aliéné, il parle avec son mulet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, tout d'un coup, se monte
toute une histoire dans le village. Et la rumeur est assassine. Eh oui. Parce que la rumeur, elle s'en va en s'amplifiant. Mais comme ça se passe en Kabylie, là-bas, les fous, on les craint aussi. C'est ça, parce qu'en même temps, peut-être qu'ils ont des dons. Ah oui, c'était des dons, on les craint, on les respecte et tout ce truc-là. Bon, ils se font tout petits quand ils le rencontrent. Néanmoins, ça parle, ça jase. Jusqu'à... Et on met ça sur... On culpabilise ses enfants, qui ne l'ont pas remarié. Voilà. Parce que ça faisait deux ans qu'il était veuf. Il a deux fils, une fille... Et une fille, et c'est deux belles filles. Et c'est deux belles filles. Alors, donc, bien sûr, arrive aux oreilles de sa famille, à Ammar, comme quoi, il perd la boule. Ils ont honte, ils ont honte. Et puis on leur dit, mais c'est votre faute. Voilà, ils se réunissent en son absence, et ils lui disent, bon, on va le marier, et il voulait marier une pauvre demeurée aussi au village, Takamout. Pour ne pas, parce que comme ça, ils avaient peur qu'ils l'enfantent et qu'on va hypothéquer un peu le c'est bien. Ah, c'est malheureusement une ville et basse histoire d'héritage. Voilà. Ils se disent, bon, si on marie... Bon, notre père est veuf, il est veuf. Si jamais il se marie avec une jeune, il risque d'avoir des enfants. Et ben, ces enfants, ils vont demander leur part d'héritage. Et puis une jeune, ben, ça peut faire tourner la tête. Il peut se retourner contre nous, etc. Mais en même temps, comme maintenant tout le village sait qu'il est fou, avec qui peut-on le marier? Et puis surtout la fille, parce que la fille ne voulait surtout pas qu'il épouse une fille qui est plus belle que sa mère, sa défunte mère, sinon il va finir par l'oublier. Voilà. Mais malheureusement, pour eux, c'est que le Ali Boran était dans les tables. Il a tout entendu du conseil de famille. Il lui répète. Il lui dit, voilà ce que tes enfants... Ah là là, il pique une colère noire. Non, il lui a démontré qu'il est l'ingratitude de l'être enfants, humain. Ouais. C'est l'ingratitude de ces enfants-là. Alors, votre roman est ponctué sur chaque chapitre, il y en a 9. Chaque chapitre va être, sauf les derniers peut-être, qui sont un peu plus agréables quand même, un peu plus doux, je dirais, puisque c'est plutôt l'amour qui triomphe. Disons que c'est l'amour qui triomphe vers la fin, heureusement. Mais les 6-7 premiers chapitres, c'est dur parce que vous prenez le ton de ce qu'on appelle les fabulistes philosophes, que ce soit Ésope, que ce soit La Fontaine, qui font parler des animaux pour montrer les défauts des hommes, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont comme, encore une fois, comme orgueil, vanité, méchanceté, mensonge, comment on appelle ça, médisance. Tout ça, Ali Boran va chaque fois remettre, comment on appelle ça, notre ami Ammar, droit dans ses bottes, comme on dit, en lui disant, écoute, moi ce que je te dis, c'est pour ton bien. Parce que je crois que tu fais complètement fausse route. Ah non, mais Ali Boran, lui, il est carré. Il veut envenimer les choses. Non. Mais à chaque fois, c'est un argument qui lui ressort, parce que il en ressort, c'est ses arguments. Il lui fait toucher du doigt ce qu'est l'homme. Ouais. En réalité. En fin de compte, il fait de la maïeutique, notre ami Ali Boran. C'est-à-dire qu'il lui dit, bon, écoute, voilà, moi je te décris, toi tu es dans ton monde, tu n'arrives pas à voir, mais la réalité, elle est telle. Voilà, exactement. Je ne comprends pas comment tu peux... Il n'y a pas de quoi être fier. Oui. Bien au contraire. Oui. Bon, tu es mon maître, d'accord. Oui. Je veux bien, de toute façon je te rends service en plus. Oui. Tu m'utilises. Moi, j'ai jamais rué dans les brancards. Oui, puis à un moment donné, il lui fait des... Parce que
quand il lui dit moi je ne suis pas ton Dieu, je ne suis que ton maître et tout ça, il me dit, vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. Oui. Et d'ailleurs, l'ingratitude humaine, une fois que je serai vieux, vous allez me vendre peut-être au boucher du coin. C'est pour faire des merguez. Voilà, oui, éventuellement. Il lui dit, bon. Éventuellement, de la nourriture pour les pauvres que vous détenez malgré eux. Il y avait une belle phrase d'un poète français qui adorait les équidés à âne, mulet, etc., qui ont tant fait pour le genre humain, parce que jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. D'ailleurs, ils ont servi l'homme. Et ce poète français disait, c'est terrible, parce qu'à la fin de leur vie, ils sont vendus soit pour leur viande, mais surtout, celui qui en profite le plus, c'est le cordonnier. Pour en faire des chaussures avec sa peau. Et pour la femme, d'ailleurs, pour l'anecdote qui n'est pas dans le machin, quand on lui dit même à vos femmes, et j'ai lu récemment que au niveau de Ceuta, la frontière, on appelle les femmes mulets. Parce que c'est prémonitoire. Dès qu'il comprend les premières paroles d'Aliboron, Amar va changer. Il va dire, mais c'est vrai, je le traite vraiment très mal, alors qu'il me rend service, qu'en plus il me dit des choses intelligentes. Il va commencer à le bichonner. Ah oui, parce qu'il lui dit, quand nous roulons par terre, vous notez au lieu de chercher à comprendre pourquoi nous le faisons. Ouais. Il dit, vous n'arrêtez pas de nous frapper. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'il voulait, le rêve d'Aliboron, c'est d'aller en ville. Oui. Il va être bichonné par les enfants en ville, ils lui donnent des bonbons et tout ça, alors que l'enfant de la montagne, il n'arrête pas de le frapper, de le piquer avec son bâton. Ouais. Il lui dit, c'est de prendre une douche. Oui, c'est ça, de laver. Voilà, parce que ça me démange, ces saletés-là. Oui. Ça me démange, donc... Comme je ne peux pas me gratter, je me roule dans la poussière. Bah oui. Son rêve, c'était de... Ah lui, oui, il voulait être comme on peut voir. D'ailleurs, par la suite, on n'arrête pas de le bichonner. Il confirme ce qu'on dit de lui, comme quoi il est fou. Il confirme par le fait de bichonner sans... C'est ça, tout le monde dit, mais il est complètement fou. Parce qu'il le nourrit avec de l'orge. Oui. Il le lave souvent. Et donc il confirme par ses faits et gestes son aliénation. Alors tout le monde dans le village va se dire, bon, allez, qu'est-ce qu'on va faire de ce Ammar, peut-être que le pauvre, on va trouver des trucs. Le pauvre, parce qu'il est veuf, il est tout seul. Justement, on accuse les enfants. On accuse les enfants de l'avoir délaissé leur père. Voilà. Qui n'a fait que deux. En plus, ces deux fils vivent à l'étranger, l'un en France, l'autre au Canada. Non, ça c'est Malha, c'est la future. Ah oui, non, c'est Malha, excusez-moi, oui, c'est vrai. Bon, mais ces deux fils ne s'occupent vraiment pas beaucoup de lui, quoi. Il a le Boussad, le jeune, plus ou moins, il est... Mais d'ailleurs... Mais Wali, franchement, l'aîné, hein. L'aîné, voilà. C'est finalement... Il ne le voit que le soir pour dîner. Voilà. Il le rencontre à partir de... En fait, ils sont à deux doigts, quand ils tiennent leur conseil de famille, ils sont à deux doigts de l'interner. Hein. Soit le marié, soit l'interné. Voilà, le marié. L'interné, non. On n'interne jamais. Oui, c'est vrai. Bon, on n'interne jamais les fous, hein, dans ces villages. Alors, il y a Wali, l'aîné, Boussad, le cadet, leur femme, Algia, sa fille. Alors, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire de notre père? C'est le marié. C'est lui trouver une femme. Mais une quelle femme. Quelle qui, est qui, la qui femme va, qui peut... va accepter de l'épouser, voilà. Qui va accepter d'épouser un aliéné. Voilà. Alors que lui, Amar, reste ce qu'on appelle un bel homme.
qui a de bons moyens financiers. Hein, il ne vit pas dans la pauvreté, hein, du non, tout. Hein, absolument pas. Donc, on lui dit, bon, on va trouver une quelqu'une. Hein, et déjà, va bon train dans le village où les marieuses... Les marieuses, attention, les marieuses ont commencé leur travail. Parce qu'il faut pas faux, un homme est toujours pas à prendre. Mais la question que je voulais vous poser, Mohamed Aouli, c'était l'idée au départ de votre roman, parce qu'il me semble qu'elle est double. C'était un, par derrière, on voit une sorte de décor, c'est-à-dire comment, parce qu'on ne situe pas exactement, hein, mais on sent bien que ça devait être dans l'ancien temps quand même. Hein. C'était non, pas tout à fait, parce qu'il a sa voiture, et quand il a, d'ailleurs c'est ça que la mère, quand Ousmane est parti avec une voiture, lui il a voulu, c'était nostalgique. Dans les années 50-60. Il avait 63 ans. La nostalgie, la nostalgie. Il voulait reprendre un peu ses travaux de chance, ses enfants sont occupés, tout ça. Donc il a repris, il est parti avec son mulet au marché. Oui. Et donc il a pris l'ancien sentier, tout ça, c'est à partir de là que le mulet l'avait. Pourquoi le mulet, comment il a su que quand il l'avait scellé, le mulet s'était mis à parler. Mm. Il dit, qu'est-ce qu'il me veut encore celui-là? Depuis qu'il est veuf, il n'arrête pas de me réveiller des heures indues. Alors Ammar, en entendant ça, il dit, ça y est, je suis fou. Parce que oui, au départ, il se dit, bon. Il a fait le tour de pâté de maison. Il n'y avait personne. Il y a dit, quelqu'un qui veut me jouer un tour et tout ça. En fin de compte, il n'y avait personne. Puis là, il a regardé son menu, il a dit, Herbe, mon bonheur. Est-ce toi qui m'a interpellé ainsi? Il m'a dit, non, je marmonnais seulement dans ma barbe. Il lui dit, tu n'as pas de barbe. Et lui, qu'est-ce qui m'arrive? Serais-je devenu comme cette gendarme, comme cette héroïne française qui entend des voix et tout ça? C'est à partir de là qu'il a... Alors, encore une fois, dans votre roman, on voit derrière une description du quotidien d'un petit village en Kabylie, avec... comment la vie sociale s'organise, hein, parce qu'on va voir qu'il va y avoir ce qu'on appelle la djma'a, la réunion avec le sage du village, etc. Et tout ça. La place, c'est le rôle de la femme. On voit. Et puis, de l'autre côté, vous passez, je dirais, presque dans le fabuleux, hein, puisqu'il y a cette histoire de mulet qui parle. Qui donne carrément, quelquefois, encore une fois, des cours de... Allez, on ne va pas dire de philosophie, on va dire de bon sens, tout simplement. Non, c'est hein? Le bon sens. Ouais, il lui dit... Il parle d'une réalité. Il parle, quand il fait des reproches, c'est des reproches des vérités avérées. Hein, c'est pas de... Oui. À un moment donné, surtout, comme nous l'avons déjà dit, la nature humaine, il le démontre par là, c'est ce que c'est qu'en réalité la nature humaine. Parce que, on va arriver peut-être à Malha. Ah bah oui, on va. Elle allait se marier là. Alors elle parlait avec sa mère, elle lui dit, et si c'est réellement, il parle là. Oui, et si réellement. Alors je dis, on ne va pas lire tout le roman. Et vraiment, elle dit, si tu m'as ramené ce mulet, toi il t'estime beaucoup, peut-être qu'il va te le prêter. Nous avons de valises à ramener dans ton village, parce que le village à côté est à Gné. Tu diras qu'elles ne sont pas lourdes et tout ça. Elle arrive, il lui prête le mulet, elle la ramène à la maison. Et Malha, elle aussi une très jeune veuve qui a élevé ses enfants, elle était infirmière. Oui, elle a fait des études, elle est instruite. Deux enfants, elle avait deux enfants. C'est encore une belle femme, qui malheureusement a perdu... C'est parce que, dans le roman, parce que chez nous, une veuve, le veuvage, c'est l'antichambre de la mort. Ça, c'est, vous l'expliquez très bien, c'est-à-dire c'est terrible, il y a une scène absolument terrible. Jusqu'à maintenant d'ailleurs, c'est extraordinaire.
quand une veuve, surtout celle-là des garçons, parce que quand c'est l'antichambre, elle ne se maquille plus, elle ne se teint même pas les cheveux. C'est ce que d'ailleurs elle a dit, je ne suis pas une satie, moi. Je ne vais pas aller me brûler dans le bûcher, les hindous, quand ils brûlent leur femme avec eux, machin. Ouais, mais je suis encore. Alors quand elle lui dit, mais c'est impossible, c'est une honte pour la famille que de te marier. Alors sa mère d'ailleurs, Zeina, elle lui dit, mais attends, c'est l'opprobre total. C'est l'opprobre total. Mais que va dire le village? Que va dire le village, que vont dire les gens? Elle appelle les enfants de Malha, elle leur dit, venez vite, ouais. Votre mère est devenue complètement folle, elle aussi, ouais. Elle veut se marier. Ouais. Non, parce que quand elle a parlé, d'abord elle avait observé le Ali Borom, elle a découvert absolument rien, puis elle lui a dit, voilà, si ton maître demande ma main, je l'accepterai, à condition qu'il envoie Wali, le fils aîné, Boussad, et Rima, la femme de Boussad. Parce que pour contrôler. Voilà. C'était. Non, mais en plus, il dit qu'il faut envoyer Rima parce que c'est la plus ouverte d'esprit. Parce qu'elle voulait contrôler si effectivement cet animal parle à son maître. C'est ça. Donc, elle a dit, elle a exigé la composante de la délégation qui va venir qui va demander sa main. Alors d'ailleurs quand ils sont venus, quand elle a vu ça, elle a réalisé qu'effectivement Ammar parle à son mulet. D'ailleurs elle a failli s'évanouir. Elle se dit, mais il est fou, c'est extraordinaire, Comment vous est venue cette idée? Parce que ce roman à Ali Borom, Mohamed Aouli, est vraiment assez différent des autres romans. Je ne parle pas de la saga qui s'est déclinée sur trois. Là, vous êtes allé carrément dans quasiment le fantastique, et vous avez voulu. Parce que c'est quand même aussi une fable morale. Hein. Oui. C'est. Vous dites, bon. Nous sommes. Je veux dire que nous sommes mauvais. Mais. Parce que. L'humain en prend plein son grade. Oui. Via Ali Borom. Oui. Parce que même à un moment donné. Parce que nous avons des idées reçues. Nous avons. Partant du principe que nous avons raison. Que par exemple, un Français. S'il n'aime pas l'Algérie, s'il aime son pays, il faut. Non, machin, c'est comme ça qu'on raisonne des fois. Il faut qu'il déteste son pays et il nous aime, nous. S'il aime, non, sinon on lui reproche. J'ai vu ça avec un Marocain. Pourquoi le Marocain aime le Maroc? C'est extraordinaire. D'ailleurs, dans Ali Borom, quand à un moment donné, Ammar lui dit, vous êtes des salopards, et tout ça, parce qu'il ne le traite pas toujours avec machin. Il lui dit, même votre mulet. Il s'est rendu à la France pour le congrès de la Soubab. Il s'est sauvé avec des documents secrets. Il dit, non, mais pour vous, oui, mais pour nous, non. Pour nous, c'est un grand héros. Oui, parce que... Il veut participer à la destruction de l'ennemi, de son ennemi. Parce que vous, les humains, vous êtes nos ennemis. Oui. Parce que vous ne nous considérez pas. Vous n'avez aucune considération pour nous. Vous n'arrêtez pas, vous êtes nos ennemis. Si pour vous, ce mulet est un traître, pour nous, non. Pour nous, c'est un héros. C'est un exemple. Bon, là, c'est un peu... Oui. Alors, et la méchanceté, que, par exemple, la rumeur, sans contrôler, on diffuse cette rumeur-là à partir du machin. On a l'impression que nous jouissons des malheurs des autres. C'est ça. Nous sommes heureux qu'il arrive des bricoloses, pour ainsi dire, hein, pour ne pas graver.
Non, mais il lui dit, hein, et... Allez Boron, il lui dit, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que vous, entre dans le genre humain, pourquoi vous n'êtes pas content du bonheur des autres humains, pourquoi la seule chose que vous pouvez colporter, c'est il est fou, il est malade, il est... Vous aimez colporter les mauvaises nouvelles. Toujours. Jamais les bonnes nouvelles. On jouit de... Pourquoi vous aimez le malheur des autres, Il dit, ça je comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe. Un de ses rêves, malheureusement, je ne serai pas là. C'est le jour où vous allez vous autodétruire. Alors, à ce moment-là, la faune et la flore seront heureuses parce que vous ne serez plus là. Oui, ils vont pouvoir enfin se régénérer. Il a constaté qu'il n'y a plus d'oiseaux. Ah oui, là, mais il n'a rien à faire chez vous, les oiseaux. C'est terminé, ils sont repartis, les oiseaux. Non, mais ce qui est, c'est la vérité. Ce qui est marrant, c'est que vous savez qu'il y a un oiseau qui s'appelle le mulet. Le mulet. Il y a un oiseau qui s'appelle comme ça. Qui gazouille magnifiquement bien, qui a un très beau chant. Et qui a de plus en plus disparu de nos campagnes. Parce qu'il a été chassé, braconné, et c'est terrible, ça. Il dit, vous, humains, en fait, il lui donne aussi une leçon d'écologie. Il lui dit, attendez, vous êtes en train de complètement détruire la nature. Non seulement vous autodétruisez entre vous, mais vous détruisez la faune et la flore. Ce qui est malheureusement vrai. Ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. Alors, double message, une sorte de tableau de la vie sociale dans un petit village. En Kabylie, mais ça aurait pu être ailleurs. C'est la planète, ce petit village. C'est universel. Vous avez choisi, parce que c'est votre, la région de votre enfance et de votre cœur, celle que vous connaissez le mieux. Mais ça on pourrait parfaitement reprendre le même roman et le situer en Patagonie. C'est pareil. Malheureusement, l'humain est identique au niveau des défauts à travers le monde entier. Hein. C'est pas spécifique à cette région ou à une autre. Et il a même c'est extraordinaire. À un moment donné, il a même un discours philosophico-religieux sur l'enfer, le paradis. Il lui dit, mais de toute façon, nous on n'a pas, pas de paradis. C'est un thème qu'on n'aborde pas. Il dit, comment vous le voyez, votre paradis, votre enfer, etc. Il dit, il y a quelque chose qui m'échappe. Exact. Ali Boron lui dit, quelque chose qui m'échappe. Il dit, dans ce cas-là, vous m'envoyez au four. Je vais réchauffer votre hammam. Parce que il lui décrit le paradis. Il lui dit, là-bas, on ne fait absolument rien au paradis. Comment vous faites rien? Il dit, à un moment donné, si tout le monde se ressemble, si toutes les femmes se ressemblent, les houris se ressemblent, tout ce truc-là, ça va devenir monotone. Il n'y a aucun événement, il n'y a absolument rien du tout. Et puis, ça va durer des millions et des millions d'années. À l'éternité. Et en fait, il pointe du doigt, Ali Boron pointe du doigt, ce que j'appellerais, moi, ce discours plat, l'image d'Épinal, des idées humaines, où on dit, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Où on m'a dit que c'était, ça se faisait comme ça. Et Ali Boron lui dit, mais est-ce que tu as le temps de réfléchir un peu aux choses? Je ne dis pas qu'il faut remettre en cause certaines choses, mais il faut y réfléchir. Si tu es pour certaines choses, il faut que tu m'en expliques les raisons profondes, et non pas juste, c'est le cas de le dire, de annonner un discours qui n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut que tu m'expliques. Si tu me l'argumentes, je serai d'accord avec toi. Mais tu n'argumentes rien, tu dis c'est comme ça.
Et c'est tout le discours que vont avoir d'ailleurs, généralement, c'est ce que vous décrivez, hein, quand Malha, elle dit... Un scandale, elle veut se remarier, elle a vécu... On lui dit, mais ça ne se fait pas. Le fils qu'elle avait élevé, qu'elle, d'ailleurs, avec, parce que quand elle était une infirmière, son beau-père lui avait interdit, au nom des principes, au nom de machin, de travailler comme infirmière. Mais elle a perdu son mari très jeune. Donc elle a été obligée de travailler. De garçon. Elle a tout fait pour eux, ouais. Jusqu'à en faire des machins. Et ils sont partis tous les deux, arrivés au... Puis à un moment donné, quand celui qui était, machin, qui était en France, il est revenu, il a dit, maman, qu'est-ce que tu vas faire, maman? C'est la honte de la famille. Oui. Qu'est-ce qui va... D'ailleurs, il y a autre chose. Il dit, mon père, il va se retourner dans sa tombe. Il dit, ton père, il s'en fout pas, perdu. Mais il est avec 72 ouris. Qu'est-ce qu'il va faire? Il m'a dit, mais tu n'as jamais connu ton père. Parce que lui, oui. De quoi parles-tu? Tu n'as jamais connu ton père. Alors, il est arrivé. Lui, il dit, tu vas venir chez nous. Tu vas habiter chez moi en France ou chez mon frère au Canada, parce que c'est plus facile à obtenir le papier et tout. Toujours le truc algérien. Il lui dit, non, je viens chez vous. D'ailleurs, même toi, tu es chez vous. Ouais. Parce qu'elle ne pouvait pas tout faire là-bas. Et bien, je voudrais être chez moi. Mais quel est mon crime? Je vais me marier religieusement, civilement, devant tout le monde. Où est le crime? Je ne suis pas en train de fauter. Et malheureusement, cet état d'esprit... Ouais. Perdure toujours de nos jours. Alors, justement, tout le discours, parce qu'il va y avoir de longues discussions entre les fils de Malha et surtout entre Zeyna, sa mère, et Malha, de longues pages, où Malha, qui est une maîtresse femme, hein, qui ne se laisse pas elle faire, a décidé. Très, très ouverte d'esprit, elle dit, mais en fin de compte, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que je n'ai pas le droit au bonheur. Pas le droit. Je n'avais pas le droit au bonheur. Ouais. Voilà. Tout d'un coup, je suis frappé de... c'est comme ça. Ouais. Tu n'as pas le droit de connaître un nouveau bonheur. Ouais. Parce qu'il lui a parlé de l'honneur de la famille. Il lui a dit, votre honneur est sélectif. C'est ça. Parce que quand il fallait m'aider, je n'ai pas vu beaucoup de... Bah voilà, vous n'étiez pas là. De moi. Ah. Personne n'était autour de moi. Ouais. Tout ce que maintenant, on parle d'honneur, on parle de... Ouais. De nif. Où est votre gratitude? Où est le... tu t'es sacrifié pour elle, vous ne me devez rien. Ouais. Ceci étant, je vais disposer de ma vie. Voilà. C'est parce qu'elle est toujours mineure, qu'on ne veuille pas la femme. Ben oui. Ses enfants sans ses tuteurs. Alors, c'est pas tout à fait comme ça, parce qu'à un moment donné, elle est intelligente et finode, quand elle discute avec ses deux fils, Malha leur dit, de toute façon, vous n'avez strictement aucun droit sur moi, puisque vous êtes mes enfants, donc vous ne pouvez pas être mes tuteurs. Mon seul tuteur légal, c'est mon frère. Oui, parce que, et heureusement qu'elle a un frère, quand même, qui est un peu plus compréhensif, je dirais, qui est un peu plus ouvert. Hein. Et elle leur dit, moi, du moment, vous n'avez rien à dire. Vous n'avez pas votre mot dans cette histoire. Il y a un qui est au Canada, l'autre est en France. Oui. Et non, la maman est toute seule dans un village. Suivant la loi religieuse, de toute façon, mon seul tuteur légal, c'est mon frère. Hein. Ce n'est pas vous. Ça ne peut pas être les enfants. Hein. Ce n'est pas possible. Donc, moi, si mon frère donne l'accord... J'épouserai Amal. Et de toute façon, alors c'est une vieille histoire parce que, en fin de compte, elle l'avait remarqué depuis longtemps. Amal. Elle avait de l'admiration pour lui. Oui. Parce que et puis sa mère Zeyna, elle aimait beaucoup. Ils se connaissaient, les familles se connaissaient très bien. Ils sont du même village. Voilà. Ils se connaissent. D'ailleurs, le jour où elle s'est mariée, c'est elle que, parce qu'à l'époque, le mari ne voit pas le fiancé, ne voit pas le machin. Et discrètement, c'était Amar que le père de machin a envoyé chez Zeyna. Il lui dit, si tu as besoin de quelque chose le jour de ses noces,
il était un enfant, l'enfant on l'envoyait chez le... Absolument, parce que voilà. L'enfant avait le droit de rentrer voilà. Pour voir dans ce qu'on appelle le territoire des femmes. Hein. Donc c'est des familles qui se connaissent très bien, etc. Et tout ça. Mais c'est terrible parce qu'à un moment donné, il y a tout un discours où on lui dit à la limite, si tu veux te remarier, mais pas au village, va ailleurs. Ouais. Comme ça, personne n'en saura rien. Voilà. Elle dit, mais moi, j'ai rien à cacher. Ce que pensent les autres, c'est-à-dire c'est terrible. Le qu'en dira-t-on ? Il faut vivre pour les autres et non pas pour soi-même. On vit pour les autres, ouais. En disant, pour le paraître. C'est le paraître. Alors, ça c'est les moments forts de votre roman, Mohamed Haouli. C'est, je dirais, fille du paraître, c'est l'être qui est important. Deux, il y a beaucoup de pages sur la terrible ingratitude. Hein, des gens. Oui. Hein, ingratitude des enfants, de Ammar. Ingratitude des enfants de oui. Belha. Ammar, beaucoup moins. Parce que, un peu moins. Parce que l'homme, c'est le contraire. Non, parce que c'est un homme. La rumeur a culpabilisé les enfants d'Ammar parce qu'ils ne l'ont pas remarié. Oui. Mais cette même rumeur a culpabilisé Belha d'avoir osé, oui. de vouloir se remarier, de faire sa vie parce oui. qu'elle est veuve. Ce n'est même pas à refaire. Elle n'a pas divorcé pour faire sa vie. Et c'est extraordinaire. Quel paradoxe absolument fou. C'est-à-dire que c'est presque... Alors qu'elle est beaucoup plus jeune que... Beaucoup plus jeune qu'Ammar. Elle a une quarantaine d'années. Et puis, c'est toujours cette rumeur. Il reproche aux enfants d'Ammar de lui avoir choisi, alors qu'il peut se marier avec une jeune fille. Oui. Pourquoi ils l'ont marié avec une veuve. Il reproche justement ça, alors que c'était le vœu d'Ammar. Ceux qui ne savent pas les autres. Hein. Ce que les autres ne savent pas, il n'y a que Ali Boron. Ali Boron est au courant de tout, parce que ce qui est amusant dans le roman, c'est que... Ali Boron, puisqu'il discute avec les autres mulets, les autres ânes, dans les tables, etc., il a toutes les infos de ce qui se dit dans le village. Ah oui. Alors, il répète à Ammar en lui disant... Il va finir par plaindre la pauvre Belha. C'est le journal, hein, c'est l'internet de Ammar. Il lui donne les infos en temps réel. Parce qu'une fois, quand marié et tout ça, ils ont voulu, quand ils voulaient partir en voyage de noces, voyage. Parce qu'il n'y avait pas de voyage de noces, moi, c'est un crime, mais tout à fait, avec ses amis qui lui reprochent déjà les... Comment, non, mais attendez, ce qui est encore pire, c'est que les enfants de comment il s'appelle, de Ammar, lui disent, comment tu veux partir en voyage de noces avec ta nouvelle femme, Malha, alors qu'avec notre mère, La fille, je ne lui ai jamais sorti. Elle lui a dit comment elle s'est mise à pleurer. Pourquoi tu n'as jamais fait le Je n'ai jamais fait ça pour ma mère. Elle ne lui a pas dit enfin, mais elle lui a dit effectivement c'est ça. Et lui, il a convenu. Il a dit à l'époque, on ne pouvait pas. Ça ne se faisait pas. Et puis, le qualifié de noces, c'est les autres. C'est par dérision qu'ils l'ont qualifié de noces. Les vieux qui vont partir faire un voyage. Franchement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas parti en France. Il a dit, je pars à Rome. C'est ça. Comme ça, je vais encore les rendre plus malades. Puisqu'ils s'occupent, je vais leur donner du gré à moudre. Voilà. C'est une aubaine pour un village. Ouais. Une affaire comme ça. Ils ont de quoi parce que... Ah ben ça va faire jaser pendant des mois et des mois. Ben oui. Où est-ce qu'il part qu'ils partent à Rome et à Venise. À Venise, c'est quand même pas des tourtereaux, comme disait Bilal. C'est pas des genoux quand même. Alors que les autres ne font pas. Alors que les jeunes ne font pas. D'abord, ils ignorent jusque
jusqu'à ce que ça veut dire un voyage de noces. Oui. Cette histoire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est encore cette nouveauté? Et alors, ce qui va se passer, c'est que, je dirais presque grâce au conseil de Ali Boron, il va y avoir une mutation de la société dans le village, petit à petit, grâce évidemment au conseil de Ali Boron, qui lui ne se mêle de rien, il dit juste, je rapporte parce ce qui s'est dit. Par exemple, le voyage de noces, parce qu'à un moment donné, Ammar a prêté à quelqu'un qui est de l'argent, dans le fils de l'argent, et lui dit, je vais lui demander, il va me rembourser, de la devise, bien sûr. Et Ali Boron qui lui dit, non, il ne va pas te rembourser. Il dit, est-ce que tu sais de quoi je parle? Il dit oui, je sais parce que. Un autre mulet me l'a dit. Elle a l'âne, parce que le mulet, il était le seul des autres. Et alors, là aussi. Elle lui a rapporté. Combien l'âme humaine est cupide, parce que celui à qui elle a prêté. Parce que la femme l'a invité. Elle lui a dit voilà, puisqu'il est devenu fou, tu lui as remboursé ses sous et tout ça. Elle lui a dit justement, il a oublié. C'est ça, il est devenu la fou. Cupidité, donc il a oublié. Il est fou, il ne s'en rappelle plus. Excusez-moi, voilà. C'est pire que ça. Il va lui dire mais je te les ai déjà remboursés. Alors, il lui a dit, toi, tu as oublié parce que tu es. Tout le monde sait que tu es fou. Donc, tu as oublié que je t'ai déjà remboursé. Et lui, quand il a dit à sa femme, il a dit à Malha, il m'a dit, je vais lui mettre un hérisson dans le cervelle. À l'époque, c'était le cervelle. Il pourra ni se gratter, ni s'asseoir. J'ai dit, ah bon, c'est là, comme oui, ça. Parce qu'il lui a raconté, il lui a raconté exactement ce qu'il avait dit à sa femme. Alors, tout le monde va bon train dans ce village, aussi bien femmes que hommes, parce que les femmes ne sont pas en reste. Hein. Quand Malha décide donc de se remarier, ça y va. Qu'est-ce que c'est? C'est honteux, une veuve qui veut se remarier, elle n'a pas honte, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Une veuve avec des enfants ne se remarie jamais, quel que soit son âge. C'est alors que rien dans un texte d'autant religieux. D'autant plus qu'elle vit toute non, seule. Rien avec, dans un texte avec religieux. Avec sa mère. Bien, donc, ce qu'elle a dit à son fils. Elle dit mais je ne commets aucun. Mais si tu appelles ça parce que. On va pas venir à faire un cours de théologie, mais quand même, il y a le plus bel exemple d'un remariage d'une veuve dans notre sainte religion. Donc, ça semble complètement paradoxal. Ah ouais. Non, c'est le machin de la femme. Ouais. Tout ça, c'est la femme, c'est toujours ce mépris des rois de la femme. Ouais. Même de vivre, c'est pas simplement ce tutorat, même de sa propre progéniture, même ses enfants. Oui, qui ont le droit de regard sur sa vie. Comment tu vas te marier? Lui s'est marié, lui a dit, mais tu m'as pas demandé mon avis quand tu t'es marié, pourtant ton père est mort. Alors il ne reste plus que, malheureusement, que quelques minutes, Mohamed Daouli, pour parler de votre livre « Ali Boron ». Je rappelle, édition Eddy Livre. Très franchement, il m'a étonné parce que il dénote. Et vous a plu? Ah ben, il m'a beaucoup plu. Parce que d'abord, il est très agréable à lire. Il y a de la fantaisie, il y a de l'humour noir. J'espère. Bien souvent, le discours de Ali Boron est très empreint de cynisme. Il dit, écoutez, vous, franchement, les humains, vous prétendez les maîtres de l'univers, mais si je voulais vous dresser la liste de vos défauts, excusez-moi du peu, mais... C'est l'ingratitude. L'homme est il lui a démontré que l'animalité est de loin plus vertueuse. L'humanité n'est pas vertueuse. Ouais. On est en train, quand on dit on est humain et tout ça. Notre prétention à être. On est humain. Voilà. Quel est le plus bête? Quelle est la bête? C'est vous ou nous? Il a dit l'homme est un monstre. Ouais. À un moment donné, il lui dit l'homme est un monstre. Ouais. Il lui a démontré qu'il ne fait que détruire. Ouais. Et que même Ammar, il a quand même. Il va au marché, il a une pente de 45 degrés, il descend sur son dos, il remonte sur son dos.
D'ailleurs, c'est là qu'ils ont découvert. C'est quand arrivé en haut, il lui a dit, alors aujourd'hui ça va. Et Ali Boran, ironiquement, il lui a répondu. Donc, Amar s'est emporté. Comment? Je m'arrête à chaque fois que tu es fatigué, tout ça. Et un monsieur qui l'entendait. C'est à partir de là que la rumeur est partie, comme quoi. Ali Boran, une fable, philosophique, un beau roman, très alerte, avec des points d'humour, quelquefois de l'humour noir, hein, mais qui remet beaucoup de choses à leur place. Mohamed Daouli, convictions, il remet. il sait même doute. Et puis qui remet beaucoup de... qui nous remet à notre place. À notre place. À nous, genre humain, qui nous prétendons à être les rois de l'univers, voilà. Hein, et que nous sommes maîtres de cet univers et qui ne respectons malheureusement de moins en moins ni le monde animal, ni le monde de la flore, ni tout simplement la terre. Création divine du scorpion à l'homme. Hein. Du scorpion, non. Que même si on n'aime pas le scorpion, c'est une création divine. C'est une création. Merci mille fois, Mohamed Aouli. Revenez vite pour un nouveau roman avec cette même verve et ce même entrain dans votre écriture. Ali Boran, Mohamed Aouli, édition Eddy, livre. Je rappelle juste quelques-uns de vos titres parus déjà pratiquement tous chez le même éditeur. La saga la saga des Idéli, n'est-ce pas? Elle sera présente dans 15 à un mois dans la librairie. En un seul volume? Non. C'était concentré. Hein, normalement, il devait y avoir 8 volumes. Vous allez être à votre quatrième Idéli. C'est le quatrième Idéli. Je me souviens que nous avions eu une belle discussion sur Cupidon chez les Magots. Également, qui était aussi un livre très alerte et très poétique. Voilà, terme de l'émission. Merci mille fois, Mohamed Aouli, d'avoir été avec nous pendant cette heure. Ça a été un vrai bonheur. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Expression Livre. Merci d'avoir été avec nous pendant ce petit moment agréable sur la littérature. Rendez-vous donc semaine prochaine, même heure, même jour, même punition. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous. Et restez bien à regarder la suite des programmes de votre chaîne Canal Algérie. Excellente fin de soirée. Merci.